Depuis trois générations, le Mayen des Moy réunit les enfants d'ailleurs et d'ailleurs. Ils y apprennent les secrets de la forêt, de la montagne et de la vie en commun. La montagne, pour qu'elle soit marrante, il faut d'abord des vaches. Il faut aussi quelques lapins. La forêt d'ailleurs est, depuis cette année, zone de reproduction du lièvre, ce qui peut donner quelques idées. Moi, je connais un petit lapin. Il est petit, des fois, il est mal. Au Mayen des Moy, c'est Manu qui raconte les histoires. L'alchimie commence par une rencontre entre des amis et un lieu merveilleux dans un pays grandiose. Un petit tour chez King Jouet, quelques détails techniques. Pour la première fois de l'histoire des Moy, je vais tirer l'eau. Un minimum de confort. C'est le nôtre, c'est le nôtre. Ouais, ça, c'est jaloux. Espèce de marre. Non, mais ça progresse, hein. Tous les quarts d'heure, quand je passe, vous êtes un peu mieux. Quitte à qui pète, le machin. Il est pas pété. Chier, moi, j'étais trop content. J'avais pris ce truc, nickel. J'y crois pas. Dis, vous avez même pas une génératrice, c'est une honte. Et plus qu'à rajouter des gosses. Il y a la fameuse cérémonie des mains où chacun se présente. Héloïse! Faut le mixeur. T'as un peu de flotte. Vous avez pas mis de l'eau? Et ils savent pas qu'il faut leur apprendre comment parce qu'ils savent pas. T'as encore besoin de savon? Et vous? Ouais! Et quoi c'est le prénom? Arthur! 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 Ouais, je crois que c'est pas. Pourquoi ils ont enlevé les. On avait compté le volet, Max! Ils sont tellement mignons! Très bien, moi! La main est vieux! La main est vieux! Le temps que ça va te prendre de ramasser toutes les boules, je te plains beaucoup.
Fais un bec, comme t'as fait. Ouais, que dire? On a travaillé dur. On est des artistes. Des artistes? Des ingénieurs. Ah. Même pas, Mathias. Pas tout, des fois Mathias menuisier, c'est pas faire ça. Ah ouais, c'est pas faire ça. On est des fois tout et puis voilà quoi. On a révolutionné le camp des Moyes. On va juste un peu astiquer les gamins. Bien fait. Qui c'est qui veut passer à la 4 fois? Il y a une mouche grosse comme ça, un papillon comme ça, deux temps. Et un... Ah mais un spray chimique, non, j'ai pour les piqûres. Faut attendre que vous fassiez piquer. Non, pisse pas. Manu, je vais jouer au renard si j'ai plus faim. Oui, c'est quoi? À quoi? C'est de la merde. L'ananas pêche. Oui, tu en tournes? Ouais. Et moi. Après, on fait l'analyse, qui c'est qui mange proprement ou pas. Ah, la maille. Oh. Olivier. Manu, c'est la dixième fois que je fais ça. Il faut être fait pour supporter la pression médiatique. Grâce au gîte du Prilette à Saint-Luc, à la Versa Chazinal, à Arnaud, Charlie, Cazo et Jean-Pierre qui ont cuisiné et sponsorisé nos repas, on a survécu sans manger les poules. Plein le ventre, plein les yeux. Le plus dur au camp, c'est les randonnées. À pied, à cheval, en camionnette, on a fait au moins 3 fois le tour du monde cette année. Et de samouraï passera la route. Que vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Que vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il ne faut pas se dégonfler devant les tonnes de rochers. On va faire un 14 juillet, coup de dynamite. Que vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Que vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore 1 mètre et 2 et 3, en 1983, tes enfants seront fiers de toi, la route sera belle. Que vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Que vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Les gens nous prenaient pour des fous, mais nous on passera partout et nous serons au rendez-vous de ceux qui nous attendent. Que vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Que vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Il nous arrive parfois le soir comme un petit goût de cafard, et ce n'est qu'un peu de brouillard que le soleil déchire. Que vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Que vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Oh!
terminé. Il faudra bien se séparer, mais on n'oubliera jamais, jamais ce qu'on a fait ensemble. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Et debout les gars, réveillez-vous. On va au bout du monde. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Et debout les gars, réveillez-vous. On va au bout du monde. Merci d'être venu, monsieur le curé. Mais dites-moi, pour le paradis, vous croyez qu'il nous reste une petite chance ? Dans mes grands-pères, au camp de mort, sauver un sommet, tous ces cinglés. Mais qu'est-ce que tu fais là, Médor? Je veux des croquettes M-Budget. Des croquettes M-Budget? Yeah. Tu vois pas que tu traumatises mes élèves? C'est toi qui les traumatise avec tes coups de maths. C'est vrai? Ouais. Tu mériterais d'aller à la fourrière. Toi au cimetière. Et comment? En te bouffant tout le monde. Oh non! Oh yeah! Pourquoi la vache qui rit? Il y a plus. Tu vas où avec ta vache? Ah, je l'amène au taureau. Ah bon? C'est pas ton père qui fait ça d'habitude? Ouais, mais la vache, elle peut pas le taureau. Quand on va caquer au camp.